Évidemment, vous ne vous voyez pas, mais vous êtes extrêmement impressionnant. Et si je pense qu'il y a 30 lieux ailleurs en France et dans le monde où il y a des gens qui m'écoutent, je vais essayer d'être à la hauteur. Je voudrais donc, j'ai choisi ce titre, France Média Monde, un outil précieux dans la bataille mondiale des idées, parce que c'est ma conviction profonde et que j'espère bien ce soir la faire progresser de quelques mètres dans l'inconscient collectif des Français, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait tous conscience que rares sont les pays qui ont la chance d'avoir des médias audiovisuels extérieurs. On est très peu de pays dans le monde à avoir ce type d'outils, et j'ai presque envie, pour commencer, de tenter une association audacieuse, puisqu'on est à l'IHEDN, à quelques exceptions près comme l'Allemagne ou le Qatar. Les pays qui se sont dotés d'un outil audiovisuel extérieur sont les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, la Chine et bien sûr la France. Alors, je n'y vois pas de lien de causalité, mais néanmoins, le signe que c'est très certainement un élément de statut qui peut-être explique que notre pays a un poids plus lourd que sa démographie ou son économie pourrait le lui donner sur la scène internationale. Ça fait partie des éléments de statut. Alors, pour traiter le sujet que j'ai choisi, que je me suis imposé à moi-même, je voudrais intervenir autour de quatre points. D'abord, je voudrais vous présenter France Média Monde, parce que ce n'est pas la plus connue des sociétés nationales de programmes en France. En général, on connaît plus France Télévisions et Radio France. Et donc, le premier temps, ce sera de vous convaincre que France Média Monde est un outil efficient, un outil précieux, parce qu'efficient, parce que puissant en termes d'impact, et finalement assez économe en termes de coût. Donc, un rapport coût-impact très efficient. Ce sera mon premier point. Ensuite, j'aimerais partager avec vous mon analyse du contexte international qui me semble rendre encore plus utile que jamais le fait de disposer de médias internationaux pour notre pays. Et j'appuie mon chronomètre parce que, tel que je me connais, je suis capable de ne pas me rendre compte du temps qui passe. Et il faut que je vous laisse la parole après. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est précisément comment France Média Monde répond aux défis créés par l'environnement international, parce que France Média Monde est porteur d'une vision singulière, qui est celle de la France, dans cette bataille des idées mondiales à laquelle je pense que nous assistons. Et enfin, je voudrais insister sur la dimension géostratégique de notre présence, qui répond à des enjeux dans chaque grande zone géographique. Donc ce sera le quatrième point. Voilà, donc alors pour commencer, peut-être une présentation de cet outil qui est France Média Monde et que j'ose qualifier de performant. Après tout, la modestie n'est pas toujours de rigueur, et puis de toute façon, je ne suis pas la seule à rendre cet outil performant. Alors d'abord, c'est une société jeune, France Média Monde. Elle est née en 2012 de la fusion entre d'autres médias qui préexistaient. Alors RFI, qui préexiste depuis fort longtemps puisque sa naissance remonte à l'entre-deux-guerres. Monte Carlo Doualia, qui est une radio arabophone qui existe depuis les années 70. Et puis France 24, qui était la dernière née, puisqu'elle a un peu plus d'une dizaine d'années. L'objectif de ce groupe de médias, c'est d'assurer le rayonnement de la France et de la langue française et de véhiculer des valeurs démocratiques et républicaines au niveau mondial en plusieurs langues sur tous les médias, radio, télé et numérique. Je vous lis un petit extrait du cahier des charges. Et de remplir cet objectif à travers une information indépendante, honnête, plurielle et des magazines de référence. Alors, donc déjà, une caractéristique de ce groupe, c'est que c'est ce qu'on appelle un média global. Peut-être que vous entendez ces mots, média global, ça veut dire qu'il y a de la télé, de la radio et du numérique. C'est à 360 degrés, c'est global. En outre, c'est un média qui s'exprime en 15 langues. Alors, France 24, je le disais, qui est la dernière née, c'est une chaîne d'actualité, d'info continue, on dit, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues, en français évidemment,
en anglais, en arabe et depuis quelques mois, depuis septembre dernier, en espagnol, mais 6 heures par jour et pas 24 heures. RFI, donc, je vous rappelais que c'était l'héritière du postcolonial, c'est une radio d'actualité, de réflexion et de découverte. Donc ce n'est pas le même format, ce n'est pas du tout aussi réactif par rapport à l'actualité où on ne casse pas les antennes trois fois par jour parce qu'il se passe quelque chose dans le monde. C'est une radio qui a un autre rapport au temps, donc une radio d'actualité, de réflexion, de découverte en français et dans 13 langues étrangères. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous les citer. L'anglais, l'espagnol, le brésilien, le portugais, le russe, le chinois, le vietnamien, le khmer ou le cambodgien, le persan, le roumain, le swahili, le haoussa et le mandingue, trois langues africaines. Et puis Monte Carlo Dwalia, Dwalia ça veut dire international en arabe, radio généraliste, on dit universaliste parce qu'elle n'est pas, elle s'oppose à une vision communautariste du monde, et laïque parce qu'elle n'a aucun prisme religieux. Et donc elle est en langue arabe. Au total, ce sont 1800 personnes qui travaillent dans ce groupe en France et à l'étranger, puisque, évidemment, c'est un groupe qui compte un impressionnant réseau de correspondants partout dans le monde et dans ces différentes langues, puisqu'on couvre le monde, pas seulement en français, mais dans les langues, pas au même niveau, mais dans la plupart des langues que j'ai citées. Il y a même 4 rédactions en radio qui sont délocalisées ailleurs qu'en France. On a une rédaction au Cambodge, une rédaction en Roumanie, une rédaction en Tanzanie, une rédaction au Nigeria. Ça, c'est pour la radio. Et en télévision, on a une rédaction délocalisée depuis septembre dernier à Bogota, en Colombie, pour l'espagnol. Le budget de ce groupe est de un peu moins de 270 millions d'euros, avec un peu plus d'une dizaine de millions de recettes propres. Et puis, évidemment, le reste sur recettes publiques. France Média Monde a un impact international assez fort, puisque chaque semaine, ce sont 150 millions de contacts en moyenne, donc chaque semaine, qui sont réalisés par le groupe. C'est la moyenne 2017. Elle est en croissance de 11% par rapport à la moyenne de 135 millions en 2016 et de 20% sur les deux dernières années. Donc c'est un groupe en pleine expansion. Et c'est vrai au niveau de ce qu'on appelle l'audience des médias classiques, traditionnels, quand on mesure la télé, la radio de manière classique, elle est en croissance, cette audience, elle compte 107 millions sur les 150 que je citais. Mais alors c'est encore plus vrai en matière numérique, où la croissance est de 30% entre 2016 et 2017, et on touche à peu près 43 millions de personnes chaque semaine dans les environnements numériques, toutes langues confondues. Et si j'ajoute nos résultats sur les réseaux sociaux, où nos chaînes, nos radios, télé, comptent 62 millions d'amis, j'aime bien dire amis plutôt qu'abonnement, je trouve ça plus humain. Donc 62 millions d'amis sur Facebook et Twitter. France 24 est la chaîne française numéro 1 sur Facebook et sur YouTube. RFI est la radio française numéro 1 sur Facebook. Si donc, du coup, on parle de performance, c'est-à-dire d'efficience, de coût par rapport à l'impact, ça veut dire qu'un contact hebdo, chez nous, ça représente en annuel 1,8 euros. Et on se compare très avantageusement, par exemple, à nos amis américains, donc Voice of America, Radio Free Asia, Radio Sana, tous les médias publics américains. Eux, ça, là où on coûte 1,8, ils coûtent 3,3 euros. Et quant à nos amis allemands, qui sont en même temps nos meilleurs amis audiovisuels, vous verrez pourquoi plus tard, ils ont un coût de 2,4 euros le contact. Je me permets de le dire parce que, bon, on ne sait jamais, pendant une réforme de l'audiovisuel, si quelqu'un entend ce que je dis, si les mots couvrent noir, je sème, quelqu'un les entend, peut-être que ça sera entendu, donc que nos arbitrages budgétaires seront meilleurs. Donc vous voyez que c'est un groupe qui est plutôt un des outils d'impact les plus importants de la France. Et il a pas mal d'atouts, au fond, à sa disposition pour réussir. D'abord, il a très fortement développé sa présence. On est présent sur tous les continents, dans plus de 180 pays. C'est vraiment un groupe mondial. Par exemple, France 24 compte 355 millions de foyers dans le monde qui sont raccordés, c'est-à-dire qui peuvent recevoir au moins un des signaux de France 24. RFI, quant à elle, compte 184, RFI et Monte Carlo Dwalia, les deux radios, comptent 184 relais FM dans le monde. Et
près de 1500 radios partenaires, c'est-à-dire des radios qui reprennent des grosses tranches de programmes. Par exemple, en Argentine, il m'est arrivé d'arriver en pensant qu'on ne me connaîtrait pas si je disais que j'étais patronne de RFI. Et en fait, le chauffeur de taxi, il écoutait Radio Cultura tous les matins et il entendait RFI en espagnol. 15% de part de marché, donc c'était pas mal. Et il y en a 1500 comme ça, dont on ne sait pas mesurer l'audience. Sinon, l'audience serait plus que 150 millions de contacts. Parce que l'audience que je vous ai donnée n'est mesurée que dans un tiers des pays où on est diffusé. Donc notre impact est plus grand. Et on n'est pas mesuré non plus dans les chambres d'hôtel. Parce que c'est de la mobilité, c'est dur de mesurer de l'audience auprès de voyageurs qui sont en mobilité. Donc on a cet atout d'avoir un magnifique réseau de distribution et en croissance. Là, je rentre du Vietnam, on va signer encore plein d'accords au Vietnam pour distribuer France 24 en français, en anglais et en français. Ensuite, on a des médias qui sont très complémentaires. D'abord, il y a de la radio et de la télé, et puis il y a des formats différents. Je vous ai dit de l'info continue, de la chaîne généraliste, de l'info, un média plus découverte et avec une dimension éducative, RFI. Donc, on répond à des besoins différents, on ne se cannibalise pas, on est complémentaires. Et puis, on travaille ensemble, on capitalise sur la force du groupe. Quand on lance France 24 en espagnol, évidemment, on se sert de la rédaction en espagnol de RFI, qui a un passé, beaucoup de partenaires, qui a une connaissance incroyable de tous les circuits hispanophones en Europe. Quand on lance Infomigrant, par exemple, le site financé par la Commission européenne, on le lance avec toutes les chaînes du groupe, de Monte Carlo Doualia, France 24, RFI, tout le monde participe pour fournir en français, en anglais, en arabe. Et la Commission nous demande maintenant de faire du Pashtun et du Dari, des langues afghanes. On capitalise sur les savoirs de tout le groupe, ça nous donne beaucoup de force. On cultive l'identité de chaque média, mais on capitalise sur la force du groupe. On fait des interviews croisées, on fait des promotions entre médias, on traduit quand on a une interview exclusive dans une langue, dans toutes les autres. On fait des soirées communes électorales, donc c'est un groupe à la fois où chacun est singulier, mais où on est plus fort ensemble. En plus, c'est un groupe qui a entamé très tôt sa transformation numérique. Il a bien vu que ce qui se passait, c'était important, et donc depuis le début, France 24 est née avec la génération connectée. Donc on a toujours cultivé le numérique à côté du broadcast en refusant de cloisonner tout ça. Et on a suivi la révolution en termes éditoriaux, en produisant des écritures nouvelles. On a surtout fait le pari des réseaux sociaux, parce qu'au lieu d'attendre que les gens viennent nous voir, on est allé où ils étaient, notamment les jeunes. Et donc, on est pas mal placés. Donc je vous ai donné les résultats. Pour finir la présentation du groupe, mon premier point, je voudrais attirer l'attention de l'audience sur les spécificités par rapport peut-être au reste du secteur public audiovisuel, parce qu'on a tendance à parler du secteur public audiovisuel français. Et il y a quelques singularités que je voudrais rappeler ici. D'abord, il n'y a pas d'alternative privée à France Média Monde. Les concurrents de France Média Monde ne sont pas des chaînes françaises, ce sont des médias étrangers. Parce que le marché international publicitaire ou même de la distribution ne permet pas de rentabiliser une action à cette échelle et plurilingue. C'est une action de service public par excellence. Et nos grands concurrents internationaux sont pour la plupart financés sur fonds publics. C'est une donnée à avoir en tête, encore une fois, quand on réfléchit à ce qu'est le service public, à ce que sont ses frontières, à ce qu'est son contour. Ensuite, je vous ai dit que c'est une jeune entreprise. Elle a été créée en 2012. Et en vérité, elle est en pleine croissance. Elle n'est pas stabilisée. Au fond, sa seule limite, c'est les moyens dont elle dispose. Puisque chaque fois qu'on développe une nouvelle action, elle a du succès. Et c'est ainsi qu'on va mesurer l'audience de France 24 en espagnol. Il faut laisser quand même un peu plus d'un an à l'existence de l'offre pour la mesurer. Mais on voit sur Internet que d'ores et déjà, c'est une montée en flèche, l'espagnol, pour France 24. On a lancé le mandingue, c'est une langue sahélienne. Ça s'est tout de suite développé. On a lancé Mashable avec France 24. C'est un nouveau mode narratif destiné aux moins de 34 ans. La jeune génération connectée, ça fait 2,3 millions de visites par mois. On lance Infomigrant. La Commission européenne nous en demande. Donc chaque fois qu'on lance quelque chose, on a du succès. La seule limite, ce sont nos moyens.
Je vous ai dit que France Média Monde était déjà un média global à 360 degrés, ce qui a impliqué déjà de très grandes réformes de structure, des transformations très radicales au sein de ce jeune groupe. On a supprimé 6 rédactions de langue de RFI entre 2009 et 2012. On a supprimé 24% des effectifs pour les redéployer vers de nouvelles missions. D'ailleurs, les effectifs des services support, là, qui sont communs à tous les médias, ils ont baissé de 20%. Donc, on est très, très peu nombreux. Les coûts de structure ont baissé de 37% dans cette entreprise. On a augmenté le temps de travail, on n'a plus de compte épargne-temps. Enfin, on s'est beaucoup, beaucoup transformé pour sauvegarder le cœur de nos missions sous des budgets contraints. Et on ne pèse que pour 7% dans le budget de l'audiovisuel public complet. 7% consacré à l'international. Si je rajoute TV5 Monde, notre cousine, voire sœur, TV5 Monde, on est un peu moins de 10%. Donc c'est l'enveloppe qui est consacrée à l'international sur l'ensemble du budget de l'audiovisuel français. Je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait qu'il ne suffit pas de diffuser des productions faites en France pour être attractif à l'international, qu'il y faut un savoir-faire particulier. Pour parler à des gens qui ne partagent aucunement nos repères, ni historiques, ni culturels, parfois pas linguistiques non plus, pour leur parler et faire passer le message, pour cultiver l'altérité, c'est un métier spécifique. On doit contextualiser les choses, on doit pédagogiser les choses. C'est un langage particulier qui crée des ponts entre des cultures différentes. Et donc, c'est un savoir-faire que nous avons, un savoir-faire que nous prolongeons dans des langues étrangères. Gérer une dimension multilingue comme nous le faisons, c'est un savoir-faire particulier aussi. Et il faut se rappeler que dans les chiffres que je vous ai donnés d'audience tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait 50%, mais c'est plus de 40% qui viennent des langues étrangères de notre groupe. Donc les langues étrangères sont décisives pour l'impact de notre groupe. Et puis évidemment, la distribution, c'est bien beau de produire des contenus, mais nous, on doit se rendre accessible partout dans le monde. C'est un savoir-faire là aussi particulier. Et puis nous remplissons des missions géostratégiques en écho aux missions qui sont celles de la diplomatie française. Et là aussi, c'est une signature et des missions particulières. Bref, je voudrais, en même temps que je vous décris l'efficience de cet outil, vous dire que ces succès doivent être préservés et développés dans le futur et pas nécessairement assujettis à des cadres de réflexion qui soient strictement nationaux par rapport à la réforme en cours de l'audiovisuel public français. Pour autant, France Média Monde s'est mobilisée complètement aux côtés des autres entreprises du secteur public français pour mettre en commun nos énergies, nos savoirs, pour faire par exemple France Info, ou bien pour développer une offre éducative commune, et notamment en matière d'éducation aux médias, qui est un vrai sujet sur lequel je reviendrai, ou bien une offre consacrée au public jeune en France, parce qu'il faut aller chercher les jeunes, évidemment, ou bien une offre culturelle, ou bien encore on travaille en synergie pour faire nos achats, lutter contre les cyberattaques, etc. On travaille avec les autres. Mais l'essentiel, le cœur de métier et la mission de nos médias se situent ailleurs. Et c'est ces caractéristiques singulières qui font de France Média Monde un outil précieux pour le rayonnement de la France. Et je vais y revenir, mais avant, je voudrais donc m'arrêter, c'est mon deuxième point, sur le contexte international dans lequel s'inscrivent nos actions et nos développements. Parce qu'il me semble justifié plus que jamais, et encore plus que par le passé, de disposer de ces outils et de les renforcer. Alors, quelques éléments de contexte qui me semble éclairant par rapport à notre rôle international. D'abord, il me semble que dans un monde devenu imprévisible et porteur de menaces, la France est plus que jamais un repère. Nous vivons une sorte de moment France. J'ai pu constater, parce que je sillonne pas mal le monde et depuis longtemps, qu'en général, la France est attendue et estimée bien au-delà de la perception que les Français en ont à l'intérieur des frontières françaises. Il y a un vrai décalage entre la perception qu'on a de nous-mêmes. Pourtant, parfois, on est qualifié d'être arrogant, hein, mais on ne l'est pas tant que ça, il faut croire, parce qu'on a tendance à sous-estimer l'impact de notre pays, l'amour qu'il suscite. J'ose le dire, je rentre du Vietnam, là, j'étais un peu renversée par l'attente, l'affection, l'estime,
les discours de nos interlocuteurs vietnamiens sur nos propres médias, sur France 24, qui signaient beaucoup d'accords là, pour France 24 en anglais, et c'était un interlocuteur francophone, il a fait un discours sur France 24. Personne à France 24 n'était capable de faire un discours plus puissant que celui qu'il a fait. J'espère que quelqu'un a eu l'idée de l'enregistrer, parce que moi, j'étais à côté de lui, j'osais pas l'enregistrer, mais c'était renversant. Donc, on a vraiment une reconnaissance dans le monde qu'il ne faudrait pas sous-estimer, et elle a augmenté après le Brexit, face à la vague migratoire qui rejoint l'Europe, une Europe fragilisée par des mouvements populistes, et alors que les États-Unis se détournent des enjeux environnementaux qui menacent pourtant notre planète, et qu'ils mènent une politique parfois difficile à qualifier, si on ne veut pas être maladroit diplomatiquement, donc disons non qualifiable par moi aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, du monde arabe à l'Asie, en passant par l'Amérique latine. Donc, et puis plus encore, partout, des conflits qui se multiplient, et la violence et le terrorisme qui frappent pas seulement des territoires, mais des valeurs qui sont au cœur de notre histoire, de notre civilisation, donc de notre avenir. Et donc, dans ce monde, comme je le disais, imprévisible et porteur de menaces, eh bien, la France retient toute l'attention. Parfois même, je me demande si elle n'intrigue pas. Elle attire, en tout cas. Et plus que jamais, je pense qu'elle doit s'exprimer, prendre toute sa part, et je pense qu'elle le fait, mais qu'entre deux moments où tous les médias du monde éventuellement s'intéressent, il faut nourrir, c'est ce qu'on fait en permanence, nos idées par le débat qu'on porte sur nos antennes. Ça, c'est un premier point du contexte. C'est le moment France, il faut y aller. Deuxièmement, je pense que nous sommes dans une période de profonde mutation. J'ai parlé du numérique, mais cette révolution numérique, elle est une rupture immense dont on n'a pas fini de mesurer l'impact. Elle est une rupture au moins aussi forte que la révolution industrielle au XIXe siècle. À un facteur aggravant près, c'est qu'elle se produit à une vitesse accélérée et avec une propagation planétaire. Donc, je pense qu'il nous faut impérativement relever de toute urgence les défis de la révolution numérique, parce que si elle est une chance, évidemment, pour nos médias, et tout particulièrement grâce aux réseaux sociaux, on n'aurait pas 150 millions de contacts hebdomadaires s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, je ne crache pas dans la soupe. Mais ces réseaux sociaux, au même moment, présentent des risques très lourds face à la liberté d'informer. C'est presque un enjeu de souveraineté. Nous devons défendre les principes déontologiques qui sous-tendent notre information en France comme dans les autres démocraties. Or, les changements qui se produisent sous nos yeux, je trouve, sont très lourds de menaces. Enfin, d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule à en être convaincue. Et ces derniers temps, l'affaire Cambridge Analytica a tout d'un coup permis de communiquer massivement sur ces dangers qui nous inquiètent depuis des années, nous. Alors, j'en relève quelques-uns de dangers pêle-mêle. D'abord, ces GAFA, qui sont tous américains, d'un changement d'algorithme, peuvent décider de la vie ou de la mort d'un média dans la bataille que chacun se livre pour capter l'attention des utilisateurs. C'est ça, la bataille aujourd'hui, c'est de capter l'attention des utilisateurs. Si Facebook décide, comme il l'a fait il y a quelque temps, de donner la priorité dans son fil d'actualité aux échanges, aux interactions avec les proches, l'exposition des médias traditionnels baisse automatiquement. C'est mathématique, puisque c'est un algorithme qui détermine ça. Donc, en outre, évidemment, les GAFA contrôlent les recettes publicitaires et donc leur répartition. C'est même leur métier d'échanger des données personnelles contre des financements publicitaires. Donc, les médias traditionnels comme les nôtres sont encadrés par de très nombreuses règles, en tout cas en France. Mais ils coexistent dans les environnements numériques avec des médias qui sont encadrés par aucune règle, pratiquement. En tout cas, pas du tout au même niveau d'obligation. Ensuite, on sait très bien que la manipulation des opinions, et en particulier celle des jeunes, et avec de fausses informations, se fait à travers les réseaux sociaux. C'est devenu monnaie courante, et malgré eux, ces réseaux sociaux sont devenus un outil, peut-être le principal outil de radicalisation pour certains jeunes. Autre encore menace, c'est que
Il y a des manœuvres de déstabilisation de la confiance des audiences dans leurs médias traditionnels, notamment lorsqu'ils sont publics. Les chaînes publiques peuvent être qualifiées de chaînes gouvernementales ou de chaînes de l'establishment. Et c'est une spécialité de certains médias étrangers qui utilisent évidemment les environnements numériques pour ce faire. Ils tentent de faire croire que toutes les opinions se valent, que les faits, ben on n'est pas obligé de... Enfin, finalement, si c'est une opinion, on peut s'exonérer des faits, que tout est une question de point de vue, vérité ou mensonge, expert ou quidam, tout se vaudrait, on est un peu entré dans l'ère de ce qu'il est convenu d'appeler la post-vérité. Et ça, c'est aussi amplifié par le numérique. Puis alors, que dire des cyberattaques qui visent à carrément faire taire un média. Je pense à TV5 Monde en 2015 qui a été violemment attaqué. C'était un acte de guerre. Et alors, quand on a une cyberattaque qui coexiste avec une diffusion massive et accélérée de fausses informations auprès de comptes piratés à un moment charnière clé pour un pays, parce qu'il s'agit d'une élection ou qu'il s'agit... par exemple d'un référendum ou en plein conflit, là, on se demande si ce n'est pas des stratégies guerrières auxquelles on assiste à travers le numérique. D'ailleurs, on ne se le demande pas, ce sont des stratégies guerrières. Donc c'est pourquoi cette transformation-là est très importante et nos médias ne doivent pas se laisser distancer sur ces environnements pour continuer à servir les valeurs dont ils sont porteurs. Enfin, alors on n'est pas seul, évidemment, hein, France Média Monde a lutté avec nos médias contre ça. Et on est heureux que la France, l'Europe, s'empare de ces questions pour les réguler à travers le règlement général pour la protection des données personnelles, la lutte contre les fausses nouvelles. Donc tout ça, c'est très bien. Mais nous, on doit continuer à lutter et avec le reste du secteur public. Troisième point dans le contexte international. Dans de nombreux pays, nous, on est en première ligne pour défendre la liberté d'informer, parce que si on n'était pas là, le silence serait pesant et tout pourrait se passer, le non-droit, les exactions. Mais pour y aller, on est menacé. On a des correspondants qui sont emprisonnés, parfois torturés, parfois expulsés. Nos signaux peuvent être coupés, là j'ai envie de dire c'est un moindre mal. Parfois, nos journalistes sont assassinés. Il y en a eu 10 dans la période des 10 dernières années qui ont été assassinés. Donc on sait que le risque zéro n'existe pas. On sait aussi qu'aucun reportage ne vaut une vie. Comment arbitrer ça ? Eh bien, en faisant monter les règles de sécurité, la formation. Et c'est un vrai enjeu de limiter le risque pour continuer à faire notre métier. Et on sait le faire. On a développé un certain nombre de mesures dans ce domaine. Enfin, donc, France Média Monde doit faire... Enfin, France Média Monde. La France est aussi concurrencée... par d'autres médias, enfin beaucoup de médias internationaux existent et d'autres pays ont décidé de se lancer à fond en développant leur audiovisuel extérieur. Et ils sont financés sur des fonds publics avec plus de moyens que nous. Par exemple, la Deutsche Welle qui émet dans 30 langues, nous on en a 15, disposait en 2017 de 50 millions d'euros de plus que nous en termes de budget. C'est notre plus petit ami concurrent. BBC World s'est vu doté sur la période 2015-2019 en dotation cumulée de 345 millions d'euros, pendant que nous, en cumulé, on avait 48 millions d'euros de plus, ce qui n'était pas rien. Mais c'est pour expliquer qu'on ne boxe pas exactement dans la même catégorie. Et je ne parle pas des budgets de CNN, d'Al Jazeera ou de la montée en puissance de Russia Today ou de CCTV, les Chinois. Donc, la concurrence est là aussi. Alors, c'est un tableau qui n'est pas rose, qui est peut-être pas totalement noir, mais qui est, disons, gris, mais qui semble, enfin moi en tout cas, je pense qu'il est réaliste et de nature à souligner l'importance pour notre pays de disposer de médias mondiaux et plurilingues pour porter dans le monde de façon non hégémonique, non pas la voix de la France, parce que cette expression, disons, hérisse un petit peu, dérange les rédactions indépendantes, mais peut-être sa conscience profonde, la conscience profonde de la France ou son inconscient collectif, où la démocratie, le goût de la liberté, l'ivresse de la culture, de l'art de vivre, la passion des idées et, il faut bien le dire, une pointe d'esprit rebelle se mêlent. C'est peut-être ça, l'empreinte française de l'enfant terrible du monde, la France, que nous portons. Alors, c'est le troisième point de mon intervention. Comment, au fond, nos médias font-ils pour incarner ce que je viens de dire, cette sorte de conscience ou d'inconscience collective
de la France, cette vision singulière que la France incarne dans la bataille mondiale des idées. Alors, j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas des chaînes hégémoniques et que nous nous inscrivons dans une tradition française très ancienne. C'est au XIXe siècle que la France crée les lycées français, par exemple. Elle arrive quelque part, elle construit un lycée, et dans ce lycée, il y a plus de nationaux que de Français. Moi, c'est d'ailleurs parce que la France faisait ça que j'ai eu envie de travailler à l'international et dans ce domaine, parce que j'aime bien un pays qui fait ça. J'aime bien aussi un pays dont la culture et la langue sont portées par des associations de droit étranger, les alliances françaises. Au XIXe siècle, des gens se mobilisent pour créer des associations qui vont défendre la langue et la culture française. Où est-ce qu'on a vu ça? Moi, je ne connais pas d'équivalent. Et donc, je trouve ce lien, cette altérité, cette façon d'être à l'autre très intéressante. Et au fond, la France a sans doute inventé ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le soft power ou la diplomatie d'influence. Mais ce sont des mots que je trouve un peu réducteurs pour ma part. D'ailleurs, ils sont anachroniques puisque l'action a été inventée avant que le mot soit inventé. Donc peut-être que le mot ne suffit pas à épuiser ce qu'on fait. En tout cas, pour ma part, je préfère me dire que ce qui se joue avec nos publics, c'est une histoire humaine, un enjeu de citoyenneté mondiale. Et c'est pour ça que je pense que chaque jour, les 1800 personnes de France Média Monde se mobilisent. Et il ne faut pas imaginer non plus que le message qu'on porte soit naturel et évident et que ce soit un message porté par tous les pays. Même nos meilleurs amis anglophones n'ont pas le même message que nous, n'ont pas le même rapport à la liberté, à la culture, à l'art de vivre, à l'égalité des hommes et des femmes, à l'altérité, enfin... C'est un message singulier, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dedans, mais je vous assure que quand on s'éloigne, il est très singulier ce message et il est très précieux. Et donc, il faut le défendre, et si possible en 15 langues. Et avec nos 66 nationalités, parce que j'ai oublié de dire que sur les 1800 personnes, j'appelle ça la tour de Babel d'ici les Moulineaux. On est à ici les Moulineaux. Je vous invite à venir voir ce que ça donne. 66 nationalités et 15 langues dans un même immeuble. C'est tout le contraire du mythe de la tour de Babel. Hein. Toutes ces langues nous renforcent. Et nous font monter jusqu'au ciel. Donc, c'est important qu'on ait un socle de valeurs communes sur lequel je vais revenir, parce qu'à France Média Monde, même quand on parle les langues étrangères, on parle encore en français, en fait. Et c'est ce qui nous distingue d'ailleurs de médias qui vont parler la même langue que nous. Par exemple, il y a d'autres médias en anglais, CNN, BBC World, Deutsche Welle en anglais, Fox News, etc. Ils parlent en anglais, mais ils ne racontent absolument pas ce que raconte France 24 en anglais, ni RFI en anglais. Ça n'a absolument rien à voir. Et personne ne s'y trompe, il suffit de regarder les chaînes. Ce que font les anglophones, d'ailleurs. Et ils aiment bien France 24, on est très très bien notés en qualitatif. Donc c'est quoi ce socle d'engagement commun, au fond, à toutes nos langues et à tous nos médias? D'abord, ce sont des principes déontologiques. Je m'arrête sur quelques-uns. L'indépendance. L'indépendance, c'est fondamental. Ce n'est pas un constat quand je dis qu'on est indépendant. C'est une nécessité qu'on doit prouver chaque jour. Parce que sinon, on n'est pas crédible. Parce que sinon, on est vécu comme une chaîne de propagande. Parce que sinon, on est vécu comme un outil servile au service des intérêts stricts de la France. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'à mon avis, on est utile à la France. Donc, c'est important que les modalités de désignation... moi, je suis désignée par une autorité indépendante. Les modalités de financement, on n'est pas financé directement et majoritairement par le budget de l'État. Il y a une ressource affectée, ça compte. La composition de notre conseil d'administration, on rend compte à la représentation parlementaire. Et ça n'est pas un détail, parce que la distinction entre chaîne publique indépendante et chaîne publique gouvernementale, c'est juste pas du tout un détail. Quand YouTube décide de taguer tous les médias publics qui ont des capitaux publics et qui taguent en mettant chaîne publique, quand ils taguent en mettant chaîne gouvernementale, je peux vous dire que ça n'a pas le même résultat en termes de fréquentation. Donc, c'est important d'affirmer qu'on est une chaîne publique et non pas une chaîne gouvernementale. Ça, c'est l'indépendance. Deuxième principe, et la France est une grande démocratie, donc elle a des médias indépendants, c'est formidable. Donc, il faut le revendiquer. Liberté d'informer, deuxièmement, c'est une liberté à conquérir dans beaucoup de zones du monde. Alors, quand on arrive, on répond à un besoin de gens qui veulent des informations vraies. Et,
Et ça, il faut développer notre sécurité pour pouvoir le faire. Parce que la liberté d'informer, elle est illusoire si on se fait trouer la peau quand on va sur des zones de crise. Et elle se multiplie. Donc, on a recruté un ancien militaire, d'ailleurs, je le dis ici, qui est directeur de la Sûreté. On a inventé des stages pour que nos journalistes soient vraiment forts face à ces situations de crise. Parce que on sait bien, encore une fois, que le risque zéro n'existe pas, mais il faut faire reculer le risque. Et puis, on a des procédures d'arrimage, comme dans l'armée. On s'est musclé parce qu'on ne veut pas avoir à se taire et à renoncer à couvrir certaines zones. Sans sécurité, la liberté d'informer est illusoire, il faut bien se le dire. Donc, on défend la liberté d'informer et donc la sécurité. Enfin, troisième principe, l'honnêteté de l'information. La lutte contre les informations fausses et malhonnêtes, c'est notre obsession. On le fait d'ailleurs en s'alliant avec les GAFA, qui essayent de le faire aussi, mais pas toujours à l'échelle qu'il faudrait. On fait partie de l'International Fact-Checking Network. On est un des deux membres français. On travaille donc à l'échelle internationale pour la lutte contre ça. On a inventé des produits, Info Intox. Vous pouvez les voir sur les sites des France 24. C'est intéressant de voir Info Intox. Les profs l'utilisent beaucoup en classe. On défend beaucoup l'honnêteté de l'information, on est très mobilisés. À côté des principes, il y a des valeurs. Par exemple, la laïcité, c'est une valeur extrêmement française. Eh bien, l'expliquer dans 15 langues, ce que ça veut dire, que ça ne veut pas dire athéisme, défendre l'idée que les juifs, les chrétiens, les musulmans ou les athées, oui, les athées aussi, ne sont pas des ennemis, que les hommes et les femmes ont les mêmes compétences et sont égaux, ça a l'air... que les homosexuels ne sont pas des criminels qu'on exécute, comme c'est le cas dans certains pays. Tout ça, là, qui nous semble aller de soi, eh bien, ça me semble, au contraire, une mission fondamentale pour nous dans beaucoup de pays. Et nous devons en permanence faire reculer les lignes de stéréotypes, c'est une de nos missions. Autre valeur de notre groupe, la diversité et le respect de l'autre. Et c'est pendant la cohésion sociale, parce que la cohésion sociale, elle existe à l'échelle de la planète, elle existe d'ailleurs aussi à l'échelle de la France, où nous avons un rôle d'arrimage, à mon avis, pour les quartiers les quartiers en France sont particulièrement sensibles à un certain nombre de journalistes qui viennent d'ailleurs et qui défendent les valeurs républicaines dans nos médias. C'est comme ça qu'on a pu créer Pas de quartier, une émission qui nous a permis de nouer un réseau de relations avec tous les jeunes des quartiers dans toute la France, où ils envoient leurs sujets d'émission et on les aide à les tourner. Et on a établi de la confiance parce qu'on a probablement le respect de la diversité chevillé au corps et que ça facilite le dialogue avec des gens qui ne sont peut-être pas au cœur de cible des médias franco-français. Après les valeurs et les principes, on a également des missions communes à tous nos médias. Raconter la France au monde, faire des contenus culturels notre signature parmi les médias internationaux, c'est ce qu'on attend des médias français. Construire des ponts quand d'autres s'évertuent à dresser des murs. Et par exemple, quand on a lancé France 24 en espagnol, les latino-américains, ils attendaient avec nous les idées, le débat, la liberté de tout dire. Et ils attendaient notre regard français sur l'Amérique latine. Ça les intéressait. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc, la culture, c'est un atout et une signature. La francophonie, c'est un atout pour notre pays. Notre simple présence mondiale crée un bain linguistique. Et je voudrais souligner ici l'engagement de RFI en matière d'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Et donc, notamment, on a beaucoup développé les langues africaines, l'apprentissage du français à partir des langues africaines, puisqu'après tout, c'est bien l'Afrique, l'enjeu pour la francophonie de demain. Et le français n'est pas une langue maternelle. Enfin, parfois, ça arrive. Mais en tout cas, ce n'est pas une langue africaine partout en Afrique. Donc, il faut continuer à apprendre le français. Donc, sur RFI Savoir, on peut retrouver des méthodes d'apprentissage du français à partir de 20 langues. Et il y a des millions de gens qui s'en servent. Le journal en français facile de RFI, il a appris le français à des millions de personnes sur Terre. Donc, c'est très important. Et ça prend un relief particulier dans le cadre du plan en faveur de la langue française et du plurilinguisme qu'a annoncé le président de la République le 20 mars dernier à l'Académie
française. On a également, dans nos missions, la découverte des talents, mais je passe. Mais c'est très, très important, la découverte des talents par rapport au lien avec le public jeune. C'est un enjeu pour nous, le public jeune. Et 60% de notre audience a moins de 40 ans quand même. Dans toutes nos langues, en radio, en télé, notre public, il a moins de 40 ans, à 60%. C'est un atout également pour notre groupe. Dans les sujets, dans les missions que nous nous fixons, j'ai parlé de raconter la France, la culture, la francophonie, mais l'Europe. L'Europe est extrêmement présente sur nos antennes. Le débat européen est présent plusieurs fois quotidiennement et chaque semaine sur nos antennes. J'ai parlé tout à l'heure rapidement du site Info Migrants qu'on a lancé avec la Deutsche Welle et les Italiens, enfin les Allemands et les Italiens. Il a été financé par l'Union européenne parce que l'Union européenne nous connaît bien et nous fait confiance. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je serai à Bruxelles avec la Deutsche Welle pour proposer une nouvelle offre pour les jeunes européens. Parce que la conscience de l'importance de l'Europe par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale peut-être ne remonte pas jusqu'aux jeunes et qu'il faut avoir de nouveaux outils pour les atteindre, de nouvelles écritures. Et on a un projet pilote, on va tenter le coup avec le patron de la Deutsche Welle. Le développement durable, enfin, est une mission qu'on se donne. C'est un axe de développement pour le futur. On a beaucoup d'émissions sur le développement durable et on essaie de faire prospérer une communauté engagée autour du soutien à la COP21 et à ses suites. Et on a des observateurs du climat. C'est une émission de France 24, les observateurs, c'est des citoyens. Vous pouvez devenir observateur de France 24 si vous voulez, des citoyens engagés qui vont attirer l'attention de France 24 sur des sujets qui ne sont pas forcément dans les sujets d'agence, qui ne sont pas forcément vus par des correspondants journalistes professionnels. Et du coup, on travaille avec un réseau de 5000 personnes dans le monde. Et beaucoup d'entre eux sont engagés pour le développement durable et font remonter des bons exemples. On est aussi aux côtés dans un projet IPOP, financé de manière internationale, aux côtés des insulaires, des populations vulnérables des îles. Parce que l'érosion fait que chaque jour, ça change. Et ils filment, on les a formés. Et ils rendent compte, ils nous aident à faire des études scientifiques et on anime ce réseau d'insulaires. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a des principes, on a des valeurs, on a des missions qui nous semblent correspondre à cet inconscient collectif français dont on est porteur. Et évidemment, pour que ça marche, il faut qu'on se rende accessible. Il ne suffit pas d'avoir des superbes émissions. Il faut que les gens puissent nous entendre, puissent nous voir, puissent participer, puissent échanger avec nous. Et c'est le quatrième point de mon intervention. Et le dernier, qui prendra 5 minutes. Donc, préparez vos questions. Donc, on essaie d'avoir une présence mondiale qui réponde aux enjeux de chaque grande zone géographique. Donc, dans cette stratégie régionalisée, nos enjeux sont d'être, par exemple, un acteur de stabilisation des zones de tension, de contribuer à l'objectif de sécurité et de paix, de participer à l'action pour gagner la paix. Ce sont des objectifs que je vais citer là, qui sont parfaitement imbriqués dans la stratégie diplomatique de la France, impulsée par le président de la République aussi, mais que nous menons de manière autonome à notre façon. Participer à l'action pour gagner pour la paix, par exemple, dans la bande sahélienne. On sait très bien que la bande sahélienne, c'est la bande de tous les dangers, de même que l'Est de la République démocratique du Congo, où il y a de très fortes tensions entre communautés. Donc, et dans le monde arabe, on sait bien aussi que les tensions sont toujours présentes. Donc, en raison du poids énorme qu'on a en termes d'audience dans ces zones, dans le monde arabe et en Afrique, on a un vrai impact. Et même, je dirais qu'on a un impact parfois qui nous tourne la tête, sans équivalent. Je veux dire, il n'y a pas de médias dans le monde qui ont l'impact de RFI et de France 24 en Afrique francophone. BBC n'a pas cet impact en Afrique anglophone. Personne n'a cet impact nulle part. Donc, c'est considérable comme impact. Et en mettant à disposition des populations dans ces zones de crise une information équilibrée, responsable, vérifiée, en français, en anglais, en arabe, dans les langues parlées en Afrique, on est un acteur de stabilisation. D'où l'enjeu des langues africaines dont je vous parlais tout à l'heure. D'où l'enjeu de parler mandingue, qui est la langue qui se parle dans la bande sahélienne. Mais demain, de lancer le peul,
qui est une langue de cette bande sahélienne très essentielle. Et il faut impérativement introduire une information non partisane dans ces langues, non contraire à la propagande. De la même façon, pour le swahili à l'est de la République du Congo, des républiques démocratiques du Congo, ou pour l'Haoussa, c'est quand même la langue de Boko Haram. Il faut parler ces langues, il faut pas laisser à des gens non, disons, qui partagent pas la même déontologie de l'information, le monopole. Il faut y aller. Donc c'est un premier enjeu. Par exemple, donc, en Afrique et le monde arabe, vous voyez quelle est notre stratégie de présence massive. Bon, la promotion de la francophonie, c'est vrai, partout dans le monde. Se rendre accessible partout dans le monde pour créer ce bain linguistique dont je parlais, ça n'est pas totalement anodin que 90 millions de personnes entendent parler en français chaque semaine et que 60 millions de personnes autres entendent parler de la France et de la francophonie dans leur langue maternelle chaque semaine. C'est très important. Mais au-delà, il y a des pays qui ont besoin de reprendre toute leur place dans la francophonie. Je parlais du Vietnam. Nous sommes rentrés avec France 24 en anglais au Vietnam parce que le marché disait qu'il fallait France 24 en anglais, parce qu'on estime que la francophonie régresse au Vietnam. Mais il suffit qu'ils aient regardé depuis quelques mois France 24 en anglais et je n'ai pas eu besoin d'insister pour que on me dise qu'il fallait France 24 en français aussi. Qu'ils écoutaient tous RFI en français, même si le site en vietnamien d'RFI n'est pas toujours totalement écouté. Bon, on a du travail à faire, mais on va le faire la main dans la main, parce que le Vietnam a envie d'être actif dans la francophonie. Le Vietnam attend le voyage de notre président de la République en janvier prochain. Et il y a une jeunesse incroyable et il se passe quelque chose dans ce pays, il faut y aller. Et donc ça, c'est notre rôle de par rapport à la francophonie. Quand ça bouge, on y va. Quand en Argentine, on nous dit, grâce à l'espagnol, venez sur la TNT, la télévision numérique terrestre nationale, et on va mettre le français autour. Ça, voilà de l'approche géographique avec des enjeux géographisés. Mais c'est par exemple au Cambodge, quand on a lancé le Khmer, on est passé à 12 heures par jour de Khmer. On avait avant seulement 3 heures, on passe à 12 heures. Ils étaient désespérés d'avoir moins de français. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont donné une nouvelle fréquence et maintenant on a 12 heures de Khmer et on a 24 heures de français. Donc ça, c'est un enjeu géostratégique. On est tout le temps à l'affût pour que le français prenne toute sa place dans les pays. Troisième axe, je vous parlais des jeunes générations connectées. On est dans des bassins d'audience où il y a 60% de la population qui a moins de 25 ans, hein, en Afrique et dans le monde arabe. Il y a intérêt à parler couramment jeune, hein, sur nos médias, sinon on se plante. Donc, on fait des actions comme ça. On a des offres ciblées en direction des jeunes. Par exemple, on a lancé avec des Américains. C'est une expérience intéressante. Mashable avec France 24, ce sont des écritures particulières. C'est un savoir-faire particulier avec du... J'ai horreur de parler franglais, mais du storytelling, alors je ne sais pas comment on dit, de la narration, de l'info-narration, des choses comme ça. C'est d'autres angles. On a appris à faire ça. Et on a bien envie de continuer avec ou sans les Américains. On a lancé RFI Challenge Appelé Afrique chaque année. On lance un défi aux jeunes Africains. On le fait avec Facebook, avec MSN, avec des tas de gens qui ont plus d'argent que nous et donc qui apportent la bourse. Et nous, on a la notoriété et on leur jette un défi. On leur a lancé un défi la première année. Comment améliorer la santé des Africains avec le numérique? L'année dernière, c'était comment améliorer l'éducation des filles, parce que c'est un enjeu. On ne peut pas se développer sans l'éducation des filles. Et donc, comment on peut faire avec le numérique? Et on a eu 650 réponses. Et c'est une fille, une jeune ivoirienne qui a gagné. Et elles étaient incroyables, ces filles africaines. Et elles en veulent, ils en veulent tous, ces jeunes Africains. Et nous, on veut être à leur côté. C'est des petites sommes. On a une bourse de 15 000 euros, mais ils vont développer l'application. Et il y aura, du coup, des Africains qui s'empareront du numérique. Et c'est ça, notre but. L'éducation aux médias, c'est notre but. La lutte contre les fausses informations, c'est dans les écoles que ça se passe. Info Intox, dont je vous parlais là, enfin, tout à l'heure, je vous dis trop de choses sûrement, mais si vous allez sur le site, vous allez voir, les enseignants adorent. En CE2, une institutrice a été d'ailleurs, elle a eu un prix de l'UNESCO. Elle utilise devant ses élèves en CE1 ou CE2 Info Intox, notre produit, pour leur apprendre comment ils sont manipulés sur Internet. Et on a du coup décliné en arabe, en anglais. On décline le produit qui était en français.
et il est devenu hebdomadaire. Mais c'est les Tunisiens qui me le demandent, c'est les Libanais qui me demandent ce produit. Donc il faut s'occuper de cette jeune génération connectée pour qu'elle elle soit armée pour ne pas se laisser manipuler. Et ça, c'est notre mission aussi. Quatrième type d'enjeu, c'est un peu dans le prolongement. Est-ce qu'on n'a vraiment rien à proposer face à ces idéologies mortifères qui font qu'il y a des jeunes qui rêvent juste de se mettre une ceinture d'explosifs? Ce n'est pas possible. On a renoncé à la beauté du monde. On a renoncé au fait que la vie, c'est fait pour vivre et pas pour mourir. Donc nous, ben, on se sent un devoir face à la jeunesse du monde pour opposer la culture à une vision sectaire et radicale. Et ça marche assez bien. Ça marche assez bien parce qu'on accueille toutes les cultures du monde sur nos médias. Ce n'est pas qu'on ne parle que de la culture française. On donne la place à tous les créateurs de la planète. Ils le savent. Quand on est à Cannes et qu'on est avec le ministère des Affaires étrangères sur le pavillon des cinémas du monde, le monde entier est là. Tous les créateurs, les réalisateurs, ils savent qu'ils vont passer sur nos antennes dans leur langue maternelle. Et on donne à voir la beauté du monde. C'est très important, la beauté du monde. C'est un bel antidote au terrorisme. Donc on se sent engagé sur ces questions. Autre thématique, le développement durable, j'en ai parlé, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est CFI. Vous ne connaissez peut-être pas CFI, c'est Canal France International, c'est un opérateur très important, qui est l'opérateur de coopération de la France en matière de médias. Jusqu'ici, il n'était pas rattaché à France Média Monde, mais depuis l'été dernier, le ministère des Affaires étrangères a choisi de le regrouper avec nous pour être un peu comme BBC World, qui est BBC Action, ou les Allemands qui ont aussi un outil comme ça. C'est un outil particulier qui fait de l'expertise média, qui mène des projets de développement au profit des médias des pays du Sud, en Afrique subsaharienne, au Maghreb ou au Levant. Et les enjeux sont très proches des nôtres, mais avec des outils différents. Consolider l'état de droit, soutenir la structuration des paysages audiovisuels, leur professionnalisation, la montée en puissance de la régulation des paysages audiovisuels locaux, parce que c'est très important, défendre le statut des journalistes. Bref, permettre à tous les médias du Sud de s'approprier les thématiques du développement durable que j'ai citées tout au long de mon exposé. Donc on est très heureux de travailler avec CFI au sein de notre équipe. Et puis bon, l'Europe, je vous en ai déjà parlé, mais je pense qu'on essaye de vraiment faire une montée en puissance avec la Deutsche Welle pour avoir un axe fort en Europe de médias publics qui porte de manière plurilingue l'Europe auprès de tous les autres pays face à la montée des populismes. Enfin, il y a des zones comme les Amériques et l'Asie qui sont plus éloignées, où notre rôle, c'est aussi de porter la dynamique économique de la France et une image moderne, une image innovatrice, innovante, d'entreprises qui réussissent. Ce n'est pas toujours le plus facile parce que parfois cette image culturelle qui nous porte, elle nous entrave aussi dans notre dynamique économique. Mais je crois là qu'on est dans une bascule et que l'image de la France est en train d'ajouter à son arc une nouvelle corde à côté de la culture, de la liberté, de l'art de vivre, de tout ça. Le dynamisme économique est en train, et l'innovation est en train de rentrer dans le tableau. La représentation française. Voilà, donc je vous ai dit un peu tous ces enjeux, et on regroupe. Il y a des zones où on se consolide parce qu'on est tellement présent, donc l'Afrique et le monde arabe. Maintenir nos positions, c'est déjà génial. Donc pourvu que ça dure, comme disait la maman de Napoléon. Les zones de développement matures, c'est comme en Europe, on est très distribué, mais ce n'est pas facile d'exister au milieu de toutes les langues européennes, du fractionnement du territoire. Il faudrait beaucoup d'argent de marketing. On ne l'a pas, mais comme on a une bonne réputation, on monte chaque année, hein, les audiences montent, mais bon, c'est une zone qui n'est pas facile. Et puis, il y a des zones de conquête, l'Amérique, l'Asie, c'est comme ça qu'on articule notre stratégie de distribution. Et pour mener ce développement, bien sûr, on s'appuie sur des langues étrangères. Je vous en ai cité quelques-unes. Il faut sans doute en développer, mais on doit choisir un bon vecteur de diffusion. Il faut savoir jongler entre l'over-the-top télévision, les OTT, le numérique simple, mais la HD, la haute définition, la TNT, la télévision numérique terrestre, la FM, l'onde courte, l'onde moyenne. Il faut savoir jongler avec tout ça, mais
on est à peu près au point. Ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est qu'on progresse fort en termes de distribution, en termes d'audience, mais que dans cet univers tel que je vous l'ai décrit, quand on ne progresse pas, on régresse aussitôt. Alors pour continuer à progresser, il n'est pas interdit de rêver. Voilà autour de quoi on rêve à France Média Monde. Donc on rêve de lancer le Peul. C'est la deuxième langue sahélienne qui est, disons, pas très porteuse en termes d'image de la France en ce moment. Et il nous semble qu'on serait content de mettre notre grain de sel dans ça. Et puis, il faut continuer à faire monter en puissance nos langues africaines. Ça, c'est notre rêve, et d'avoir un pôle langue africaine en Afrique. Deuxièmement, on a lancé l'espagnol. C'est formidable et ça va marcher. Mais 6 heures, on ne va pas durer ad vitam à 6 heures, alors que tous les autres pays ont 24 heures, y compris les Iraniens. Font 24 heures, donc je me dis, bon, il faudrait quand même donner un petit signe dans les 5 ans qui viennent, monter un peu en puissance, à défaut de faire 24 heures. En faire 12, ce serait bien pour la France. Troisièmement, en matière d'apprentissage du français, on voudrait monter en puissance avec TV5 Monde, la main dans la main, être encore plus offensif pour... Parce que je crois qu'il y a une demande, il faut qu'on soit encore plus offensif pour et répondre avec tous nos instituts culturels, toutes nos alliances françaises en étroit lien et avec le ministère qui a un projet d'offre éducative. Je pense que là, on a du potentiel, on peut faire des choses. Il faudrait peut-être qu'on africanise un peu notre signal France 24, qui est le signal France 24 en français, il est universel, c'est le même que vous soyez à Hanoï ou que vous soyez à Kinshasa. Or, l'Afrique, avec la TNT, c'est un paysage qui est très, très concurrentiel. Il faudrait peut-être qu'on régionalise un peu ce signal, qu'on ajoute une montée en puissance un peu plus de contenu africain. Pas énormément, mais un peu. Ça nous plairait de le faire et de le faire en collaboration avec des Africains. Et puis, il me semble qu'aux frontières de l'Europe, il y a des langues importantes. Une qu'on parle déjà, le russe. Une autre qu'on ne parle pas, le turc. Et moi, j'aimerais beaucoup parler à ces sociétés civiles plus, dans leur langue. Ça me plairait beaucoup, beaucoup, beaucoup de parler à nos amis turcs. Et à nos journalistes, à nos amis journalistes turcs, qui sont beaucoup en prison ces temps-ci. Donc, voilà. Voilà, donc, on sait bien que tout ça, c'est soumis à des impératifs de financement. Mais bon, comme on ne pèse que 7%, on se dit, on pèserait 10% seulement, mais on ferait tout ça. Et là, on mettrait en résultat, il n'y aurait plus de limite. Ce ne serait pas 150 millions par semaine, ce serait encore plus, bien sûr, parce que la France a un tel capital. Donc voilà, je vous ai presque tout dit et je crois que 54 minutes, c'est trop.